Allez, aujourd'hui on ressort l'Apple 2. Et pour tester ça et jouer un petit peu, on va utiliser Nono et la pomme arc-en-ciel, un jeu édité par Silicium, l'association silicium.org, pendant l'Apple 2 France Festival en 2015. Sachant qu'on va en avoir un nouveau là cet été en août 2017. Ah, le jeu est en train de se charger. Donc j'aurais pu utiliser mon câble chamois, mais là j'utilise le câble natif pour l'écran d'origine. Nono la pomme arc-en-ciel. Ce soir, Nono le Piloutène et son fidèle chien, Wataï, sont invités à une grande fête du solstice. Bon, c'est tout simplement un jeu base texte, hein, comme d'habitude, à l'ancienne. Parce que comme d'habitude, non, ce n'est plus comme à l'habitude, justement. Mais à l'époque, c'était l'habituel d'avoir ce genre de jeu en mode texte, on pose des questions sur les choix à faire, etc. Avec un petit décor sympathique. Dessiné par le président de l'association, je crois bien. C'est même sûr. Panier près de la porte et bâton. Ok. Prendre le bâton. Prendre panier. Sortir, je suppose. C'est ça. Le truc est toujours de retrouver les bonnes syntaxes. Forêt luxuriante, sous-bois, Wataï ouvre la voie, la truffe humide et l'essence en alerte. Ok. Regardez est en règle générale la commande de base pour tout. Ah bah voilà, on sait qu'il faut aller à l'est, un grand étang à l'est. Allons à l'étang. Quand vous voyez ce que c'est qu'un putain de temps de chargement pour charger trois pauvres lignes de texte, arrêtez de vous plaindre des temps de chargement sur vos putains de consoles modernes genre PS4 et compagnie, quoi. Vieux crapaud digère une libellule. Oh la gueule du crapaud, quoi. Discuter. Discuter, ça marche pas. C'est peut-être parler, tout simplement. Alors je refais regarder de plus près, éventuellement. Déjà une libellule croustillante. Est-ce qu'à présent je suis assez prêt pour lui parler?
Quoi de neuf? Bah, continue à me parler. Je veux plus d'infos. Disons oui. Gnagnagna, pas marque en ciel, alors tu vas chercher bonheur et nostalgie. Alors dans ces cas, allons au sud. Après une autre période, on peut arriver auprès d'un pommier. Les pommes sont rouges et blanches. Oui, mais nous on cherche les pommes arc-en-ciel. Est-ce qu'on peut monter sur l'arbre? Grimper sur l'arbre. Aller vers le haut. Escalader. Alors maintenant que j'ai vu où elles étaient, est-ce que j'ai le droit de grimper? C'est ça. Est-ce que c'est bon là ou est-ce qu'il faut que je prenne les pommes? Rien. C'est toujours la question de trouver les bonnes formulations après. Hein. Non, ça a l'air d'être ça non plus. Est-ce qu'il y a une indice dans l'image? Non, il y a le panier, le toutou en bas, le piloutène qui monte, la pomme arc-en-ciel qui est en hauteur ici. Ce qu'il faut pour faire cueillir tout court, peut-être, sans paramètre. J'avais déjà fait, je crois, ouais. Est-ce qu'il faut que je grimpe plus haut? Ah d'accord, c'est qu'il fallait que je monte jusqu'à là. Rien, on est toujours sur la même image. Non, il se passe toujours rien. Ah. Merde, je marque celui-là, évidemment ça marche pas. Voyons voir si Benoît a pensé à gérer les insultes, les gros mots et ce genre de choses. Ah, manifestement oui. Sous quelle forme? Est-ce qu'il a marqué une blague ou est-ce qu'il nous fait démarrer le jeu? Ah, le traître, il nous fait recommencer le jeu.
Ouais, juste pour le fun, on va faire une petite ligne de basique vite fait. Ah, zut, faut que j'en saisisse ma ligne. Oh. Qui aurait cru en 2017 que des machines comme ça fonctionneraient encore? Donc en description, je vous mets les liens pour avoir les informations sur l'Apple 2 Festival 2017. Il y aura certainement quelques curieux qui seront intéressés à venir. À bientôt!